La Tchécoslovaquie, c'est avant tout un pays européen, tout comme la France. Et même si les pays de l'Est sont un sujet tabou pour certains, il ne faut pas plus confondre la Tchécoslovaquie et l'URSS que la France et les USA. Située au cœur de l'Europe centrale, la Tchécoslovaquie n'a pas d'accès à la mer. Sa flotte mouille donc dans un port polonais. Le climat est tempéré mais continental, avec un mois de juillet très chaud, mais des hivers froids et enneigés. Elle a des frontières avec la Bavière et l'Autriche, l'Allemagne de l'Est et la Pologne, la Hongrie et l'Ukraine. D'où, sur les 15 millions d'habitants, 5% de nationalités différentes, des Russes, des Polonais, des Allemands et un demi-million de Hongrois qui ont leurs propres écoles en langue hongroise. La population est à majorité catholique, mais les plus pratiquantes sont les personnes âgées. L'État essaie de faire diminuer leur nombre en organisant des fêtes populaires pour remplacer les fêtes religieuses et en essayant de convaincre parents et enfants, par l'intermédiaire des enseignants, que le monde est l'œuvre de la nature et non pas d'un dieu particulier. Des petits kiosques, comme celui-ci, vendent les journaux, timbres et titres de transport. D'autres vendent des fruits, des boissons, et surtout des glaces, dont beaucoup semblent se nourrir, comme par exemple sur cette photo. Les seuls journaux en langue française que l'on puisse trouver en Tchécoslovaquie sont l'Humanité et les Nouvelles de Moscou. L'importation de revues de propagande capitaliste est interdite. La Tchécoslovaquie présente quatre principales régions physiques. La Bohême, vieux plateau cristallin entouré de montagnes arrondies et traversé par de grandes rivières. L'Elbe et son affluent la Vltava, que l'on voit ici à Prague. La Moravie, formée par la vallée de la Morava, séparant la Bohême des Carpates. Le versant sud de la chaîne des Carpates, avec les différents massifs des Tatras, découpés par des vallées glaciaires abruptes. Et enfin la plaine du Danube, avec Bratislava, que l'on voit ici, et la frontière hongroise. L'agriculture y est intensive. 30% de la superficie du pays est couverte de forêts, et 40% du territoire est situé à plus de 500 mètres d'altitude. La Tchécoslovaquie est un pays industrialisé et agricole qui a un des meilleurs niveaux de vie des pays à économie socialiste. Le président de la République et premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, parti unique, est le docteur Gustav Husák. La monnaie locale est la couronne tchécoslovaque qui se subdivise en 100 alières, mais ce n'est pas une devise. Ici, vous voyez le symbole de la Tchécoslovaquie socialiste. Voilà un repas typique. La nourriture est assez semblable à la nourriture allemande. Depuis 1969, la Tchécoslovaquie est un pays fédéral, formé de la République tchèque et de la République slovaque. Pendant longtemps, la Slovaquie est restée forestière et pastorale. La collectivisation a permis de moderniser et d'intensifier l'agriculture. Les nombreux aménagements hydroélectriques des Carpates ont permis le développement industriel qui s'est particulièrement accéléré depuis la fédéralisation. Ça a éliminé aussi l'exploitation de l'agriculture des Slovaques par les Tchèques et a ainsi diminué les problèmes nationalistes slovaques. Il y a de nombreux groupes folkloriques, on en voit un sur cette photo, ainsi qu'une riche architecture, maisons en bois peint, châteaux féodaux surplombant les plaines et vallées, et les maisons à arcades, dont on voit une enfilade ici, et qui entourent les places des vieilles villes. Le salaire moyen en Tchécoslovaquie est de 2500 couronnes par mois, ce qui fait 5000 couronnes de revenus pour un couple, puisque le travail est obligatoire pour tous, hommes et femmes. Donc, pour un Français en France et pour un Tchécoslovaque en Tchécoslovaquie, les produits courants ont en moyenne la même valeur comparée au salaire. Les produits de luxe, télé couleur, voitures, essence, café, sont plus chers en Tchécoslovaquie. Par contre, les livres, places de cinéma et autres moyens de culture destinés à tout le peuple sont moins chers car subventionnés.
Les prix des produits de première nécessité sont fixes. Par contre, les produits de luxe subissent l'inflation. On ne peut acheter les produits occidentaux que dans les magasins Tuzex et avec des bons obtenus contre des devises ou au marché noir. Ici, c'est la devanture d'un cinéma à Bratislava. Reprenons maintenant un peu l'histoire de la Tchécoslovaquie, et en particulier de sa capitale, Prague, dont on voit ici une vue générale. En -500, les Celtes envahissent l'Europe centrale, et la tribu des Boyens donne son nom à la Bohême. Puis ils sont remplacés par des tribus germaniques, et bientôt le sud du pays est occupé par des légions romaines. Enfin, les Slaves s'installent définitivement en Tchécoslovaquie vers l'an 400. Au centre de la Bohême, dans le bassin de la Vltava, à l'emplacement de l'actuelle Prague, c'est un carrefour de routes importantes, car des îles formées d'alluvions permettent de traverser facilement la rivière. Des paysans, des marchands et des artisans se sont installés là. Sur les deux pitons rocheux du Praha et du Vyšehrad se trouvent des places fortes avec des autels de sacrifices païens. Les tribus slaves de Bohême doivent s'unir pour se protéger à l'ouest des Francs et au sud des Avars. Ils constituent l'empire de Grande Moravie. Mais en 900, la Slovaquie tombe pour près de 1000 ans aux mains des Magyars, futurs Hongrois. Les apôtres Cyrille et Méthode christianisent le pays. Le prince slave Borivoj se fait baptiser pour renforcer l'unité de son pays. Il s'installe à Prague et fait construire la première église de la Sainte Vierge dans l'enceinte du château, puis une église consacrée à Saint Georges, c'est elle que l'on voit ici. Sa façade date seulement de l'époque baroque. Ensuite, le prince Venceslas ajoute la grande église rotonde Saint-Guy. Lorsqu'il est assassiné par un complot des seigneurs, il est enterré dans son église et il devient bientôt le saint patron de la Bohême. Sa statue équestre se trouve ici sur la grande place Venceslas de Prague. Avec l'accord de Rome, on fonde aussi dans le château l'évêché et le couvent féminin Saint-Georges que l'on voit ici et qui est devenu une galerie de peinture gothique. Dans la vieille ville, un grand marché réunit chaque semaine les gens et troupes de la région. Puis le prince Vratislav transforme la rotonde Saint-Guy en basilique, mais les évêques allemands s'opposent à ce que l'évêché devienne archevêché. Après une période de troubles, le prince Sobeslav construit les fortifications romanes du château, les tours, et y fonde le palais princier. Sur la colline de Strahov, on bâtit une grande abbaye. Aujourd'hui, c'est le musée de la littérature nationale, avec ici les bibliothèques de théologie et philosophie. Enfin, vers l'an 1200, les princes de Bohême, qui ont aidé l'empereur Barberousse, reçoivent la couronne royale à titre héréditaire. On construit le premier pont en pierre, dont il ne reste plus aujourd'hui que la petite tour gauche accolée au pont gothique. Le roi Otakar Ier accroît la puissance militaire et économique. On exploite des mines d'argent, on colonise la campagne en construisant des villages gothiques. Ici, au premier plan, ce sont mes camarades de séjour en Tchécoslovaquie. Le roi remet en état le château et y ajoute la chapelle de tous les saints. Il construit la ville de Malastrana sous le château. La vieille ville, romane, est à l'époque entourée de remparts et compte plus de 3000 personnes, avec de nombreux établissements religieux. Les royaumes de Pologne et de Hongrie sont sous l'autorité du roi. Vers 1300, on construit la bourgade de Hradčany, au nord du château, que l'on voit ici. Mais bientôt, la dynastie des Přemyslides s'éteint, et le roi Jean de Luxembourg, à qui l'on a offert le trône, dissipe les biens du pays et meurt à la bataille de Crécy. Son fils, Charles IV, en même temps empereur germanique, a reçu une éducation française. Dans la vieille ville, il construit la tour poudrière que l'on voit ici et qui était une porte d'entrée dans la vieille ville. À côté, c'est la maison municipale, ensemble de salles de concert, de restaurants, d'expositions, qui date de 1900. Mais à l'époque, il y avait là la cour royale. Sur la place, il fait bâtir l'église Notre-Dame du Tine, que l'on voit ici, ainsi que de nombreuses maisons gothiques, comme par exemple sur la vue suivante. À côté, toujours sur la place de la vieille ville, il fait construire l'hôtel de ville,
malheureusement en grande partie détruit par les Allemands en 1945 lors du soulèvement de Prague, et dont il ne reste plus aujourd'hui que la tour, avec l'horloge astronomique où défilent toutes les heures les 12 apôtres. Charles IV crée aussi la nouvelle ville de Prague, comme centre culturel et administratif. Prague devient ainsi la plus grande ville d'Europe centrale. C'est aussi le début de la construction de la cathédrale gothique Saint-Guy, silhouette traditionnelle du château de Prague, et dont la construction allait s'étaler sur quelques 600 ans. Elle ne sera achevée qu'après la Première Guerre mondiale. Les premiers bâtisseurs ont été le français Mathias d'Arras, puis Peter Parler. Ici, c'est la grande tour Saint-Guy de la cathédrale, construite à l'emplacement de l'église rotonde de Saint-Wenceslas. Et là, c'est le tombeau en argent de Saint-Jean Nepomucène dans la cathédrale, qui abrite aussi les caveaux royaux. Sur la vue suivante, on voit le portail. Charles IV fonde aussi la première université d'Europe centrale. Il construit le nouveau pont gothique en pierre, pont Charles, avec sa tour de pont de la vieille ville, pour remplacer l'ancien pont Judith, emporté par une crue. Les statues ne seront ajoutées qu'à l'époque baroque. En 1400, le peuple ne supporte plus d'être exploité par le clergé et les seigneurs féodaux. Le recteur Jan Hus, dont on distingue la statue au centre de la place de la vieille ville, critique les abus du clergé. Il est condamné et brûlé vif par le concile de Constance. Alors, les révolutionnaires hussites, sous la conduite du capitaine Jan Žižka, attaquent les châteaux, les couvents, les villes. Les armées de croisés sont tenues pendant longtemps en échec. Par sécurité, le roi Jagellon, qui est un Polonais, quitte la cour royale de la vieille ville et se réinstalle dans le château, dont il améliore les fortifications. Il reconstruit le palais royal dans le château, avec la slave Vladislav, avec plafond à nervures gothiques, que l'on voit ici, et dans laquelle ont lieu aujourd'hui les élections présidentielles et grandes réunions politiques nationales. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, dans la muraille du château, on a construit sous les voûtes intérieures une rangée de maisonnettes miniatures pour les artisans et aubergistes. C'est la ruelle d'or. Vers 1550, Ferdinand de Habsbourg est élu au trône de Bohême et Hongrie. Mais il tient mal ses promesses et c'est le début de la soumission de l'État tchèque à l'Empire germanique. On modernise les constructions du château en style Renaissance. Ici, on voit le palais Schwarzenberg à Hradčany. Des artistes italiens dessinent le belvédère que l'on voit maintenant et les jardins royaux tout autour du château et dont on va voir différentes vues sur les photos suivantes. La cour de Rodolphe II est un grand centre de culture renaissance, mais il y a de nombreux conflits entre les Tchèques et le suzerain Habsbourg qui a déplacé son siège à Vienne. Deux gouverneurs sont défenestrés à Prague. C'est alors le début de la guerre de 30 ans, guerre de religion contre l'Autriche, guerre qui ravagea toute l'Europe centrale. Après la défaite de la Montagne Blanche contre Ferdinand II, la noblesse protestante tchèque émigre, et c'est le début de la contre-réforme. 1700, c'est le début de l'époque baroque qui transforme les villes d'Europe centrale. On dessine des parcs et des jardins. À Malastrana, on construit de nombreux palais aristocratiques, occupés aujourd'hui par des ministères ou des ambassades. Ici, c'est l'ambassade de France au palais Bucquois. Geisenhofer bâtit la grande église baroque Saint-Nicolas avec sa coupole de 75 mètres de haut qui dépasse des toits de Malastrana. On construit aussi des palais et églises à Hradčany, avec ici, sur la place de Lorette, le palais Tchernin, actuel ministère des Affaires étrangères. En face, c'est l'église Notre-Dame de Lorette, reproduisant l'église d'Italie. 1800. Avec Marie-Thérèse et Joseph II, le féodalisme et le servage disparaissent. C'est la liberté de confession, mais encore le centralisme germanique. On construit des manufactures, les quatre cités de Prague sont réunies en une seule ville. On construit de nombreux faubourgs industriels et le premier chemin de fer. C'est l'époque aussi des grands bâtiments, avec ici le Rudolfinum, siège de la Philharmonique tchèque, et ici le Théâtre National. Là, on devine le musée national, au sommet de la place Venceslas, dans la nouvelle ville. Cette place qui est un peu les Champs-Élysées de Prague, avec de grands restaurants, de grands magasins, etc. On démolit bientôt certains bâtiments de la vieille ville.
en particulier le ghetto juif, dont il ne reste plus aujourd'hui que quelques synagogues, et le musée juif, que l'on voit ici, et autour duquel se trouve le grand cimetière juif et ses 12 000 tombes. À la fin de la Première Guerre mondiale, la République tchécoslovaque démocratique a enfin retrouvé son indépendance et réuni à nouveau Tchèques et Slovaques. Le château de Prague devient résidence du chef de l'État et des institutions nationales. On construit des quartiers pavillonnaires et les stades de Strahov, avec en particulier le grand stade de 200 000 places avec son étendue sablée de 300 mètres par 400 mètres, où a lieu aujourd'hui, tous les 5 ans, la fête des Spartakiades. Pendant 2 jours, plusieurs milliers de gymnastes représentant les différentes catégories d'âge de la population y exécutent simultanément des figures de masse colorées. Les exécutants sont tous volontaires et ont dû s'entraîner toute l'année précédente en dehors de leurs heures de travail. 1938, à la Réunion de Munich, les régions frontières de la Bohême, sous prétexte que des Allemands y vivent, deviennent territoire de l'Allemagne nazie, sans que les autres pays d'Europe osent protester. Puis la Bohême et la Moravie sont occupées par l'armée hitlérienne et la Slovaquie devient protectorat allemand. La barbarie nazie frappe ici aussi. À côté de Prague, il y a le camp de concentration de Terezin et des villages comme celui de Lidice sont rasés et la population exterminée. Le 29 août 1944, en Slovaquie, c'est le soulèvement national contre l'occupant, mais les insurgés doivent se réfugier dans le maquis. Début septembre, une bataille très sanglante s'engage au col de Dukla, à l'est du pays. Finalement, après plus de 2 mois, l'armée tchécoslovaque, commandée par le général Svoboda, aux côtés de l'armée russe, réussit à pénétrer dans le pays et à commencer sa libération. Après la guerre, on reconstruit, restaure et bâtit des cités d'habitation autour de Prague. Le 20 février 1948, les ministres bourgeois du gouvernement démissionnent pour provoquer une crise interne et un renversement du régime populaire. À l'appel des ministres communistes et du premier secrétaire du PC, Clément Gottwald, les ouvriers manifestent à Prague et le congrès des conseils d'entreprise proclame la grève générale pour le jour suivant. Le lendemain, Beneš, le président de la République, accepte finalement la démission et les communistes, avec à leur tête Clément Gottwald, forment le gouvernement du Front National. Ici, c'est la statue d'un milicien populaire à Bratislava. En 1960, le pays devient la République socialiste tchécoslovaque. Elle fait partie du pacte de Varsovie et du Conseil d'assistance économique mutuelle. 1968. Les forces intellectuelles de droite tentent de changer l'évolution du pays et de libéraliser le régime. Dans les usines, les dirigeants ne veulent plus suivre les plans établis et essaient de produire un peu ce qu'ils veulent. Il s'ensuit une grave crise économique, les magasins sont vides, la population ayant tout acheté par crainte. Des groupes d'intellectuels organisent des réunions, manifestent dans les rues, mais les ouvriers continuent tranquillement à travailler. Le 21 août, à son réveil, la population a une douloureuse surprise. L'armée soviétique contrôle le pays, occupe les universités. Tous les Tchécoslovaques descendent dans la rue, refusant cette occupation militaire. Mais les chars russes tirent sur la foule. Le gouvernement de Dubček est remplacé, le parti communiste remanié, près de la moitié des intellectuels en sont évincés. Aujourd'hui, l'armée russe s'est retirée dans les régions montagneuses, où elle a ses villages, ses magasins, ses écoles, les Russes ne se déplaçant au dehors qu'en groupe. Malgré cette occupation militaire, de grands panneaux muraux saluent l'amitié avec le peuple soviétique, ou le socialisme comme ici. Et le drapeau national est toujours accompagné du drapeau russe, comme par exemple ici, sur le mur de fond de ce plateau de théâtre en plein air. En 1969, la Tchécoslovaquie devient la fédération de la République socialiste tchèque et de la République socialiste slovaque, qui a pour capitale Bratislava. Aujourd'hui, on poursuit la construction de nouvelles voies de communication et autoroutes, après celles reliant Prague, Brno et Bratislava. À l'extérieur de Prague, on construit de grandes cités d'habitation et on restaure les vieux quartiers. Avec l'aide des techniciens soviétiques, Prague possède déjà 2 lignes de métro, dont l'une emprunte le pont autoroutier Clément Gottwald que l'on voit ici. De nombreux grands magasins, ici le magasin Kotva,
à Prague remplacent les anciens. Mais les nombreuses brasseries demeurent, comme celle-ci à Brno, où on vend de la bière Pilsen. Et pendant le festival de musique et l'été culturel, il y a de nombreux concerts dans les églises, parcs, etc. Dans ce pays où beaucoup de grands musiciens ont séjourné, Mozart, Beethoven, Liszt, Haydn, etc. En Tchécoslovaquie, seulement une famille sur 3 ou 4 possède une voiture. La majorité sont des Škoda, comme l'on voit ici, la marque nationale. Sinon, il y a les Lada russes, les petites Trabant, comme celle-ci, bon marché mais très rudimentaire, fabriquées en Allemagne de l'Est, les Dacia, hongroises, et quelques Renault, mais qui coûtent très cher. Ici, c'est une voiture officielle des administrations, noire, de marque Tatra, et là, une version plus récente. Vous voyez là une voiture de la police, verte et blanche, et sur la photo suivante, une ambulance. Nous avons passé une semaine à Prague, et maintenant nous allons découvrir Brno, où nous sommes allés un week-end. Brno, la capitale du sud de l'ancienne province de Moravie, est la seconde ville du pays de par sa population, mais elle sera bientôt dépassée en importance par Bratislava. À Brno, il y a 2 collines qui dominent la ville, celle du Spielberg et celle plus petite de Petrov. Il y a aussi 2 rivières, la Svitava et la Svratka. Sur cette dernière, on a construit un barrage réservoir au nord de la ville. Autour du lac, on a organisé une grande zone récréative. Brno est depuis longtemps une ville industrielle. Il y a chaque année une importante foire de mécanique. Il y a de nombreux vieux immeubles avec de belles façades décorées, en style Renaissance ou en style baroque. Sur la colline de Petrov, que l'on voit ici, il y a la cathédrale épiscopale Saint-Pierre et Saint-Paul. En voici quelques vues plus rapprochées. Sur la colline du Spielberg, où l'on se trouve maintenant, on a construit à l'emplacement d'un ancien château une citadelle baroque. Les casemates qui l'entourent ont servi de terribles prisons, en particulier pendant l'occupation nazie. Dans le caveau du couvent des Capucins, dont on voit le devant de l'église ici, des moines momifiés se sont conservés. Les vues suivantes montrent l'hôtel de ville gothique. Les anciennes fortifications de la vieille ville ont été remplacées à Brno par un anneau de jardins municipaux. Ici, c'est un théâtre. Sur la vue suivante, un autre théâtre plus moderne. La série de vues qui va suivre représente toujours des maisons ou églises de Brno. En Tchécoslovaquie, l'heure légale est la même qu'en France. Alors, du fait du décalage géographique, la vie commence et finit plus tôt qu'en France. Le travail en usine débute souvent dès 6h du matin, mais se termine tôt. Les magasins ferment dès 5 ou 6 heures du soir. Certains sont ouverts le samedi matin, mais alors ils ne le sont pas le lundi, parfois toute la journée, comme c'est le cas des musées. La semaine de travail est de 42 heures. Il n'y a pas officiellement de chômage, puisque le travail est obligatoire, mais parfois il est difficile d'être employé dans sa spécialité, ou près de chez ses parents. Pratiquement chaque famille tchécoslovaque a une machine à laver le linge, un réfrigérateur, une télévision noir et blanc. Les transports en commun urbains sont bien développés, tramway, trolleybus, autobus. Les médicaments prescrits par ordonnance et les soins médicaux sont gratuits. Il est recommandé aux enfants de faire partie des organisations de pionniers, sorte de scouts qui les occupent pendant les week-ends et les vacances, avec des distractions, du sport, de la culture et des découvertes. En Tchécoslovaquie, il est recommandé d'aller voter. Les candidats font tous partie du Front National Populaire. Nous allons quitter la République tchèque pour la République slovaque, où j'ai pu véritablement séjourner. Mais voyons tout d'abord comment je suis allé en Tchécoslovaquie. À la fin de l'année 1980, Supelec, en collaboration avec l'IUT d'Orsay, proposait à 3 élèves de l'école d'effectuer un stage technique de 2 mois en Tchécoslovaquie. Après une demande de bourse au début de l'année 81 auprès du ministère français des Relations extérieures et du gouvernement slovaque pour les frais de voyage et de séjour, nous avons enfin eu vers la mi-juin l'accord définitif.
Nous avons fait le voyage en train, par l'Orient Express, jusqu'à Vienne. Et là, les quelques heures d'attente de correspondance nous ont permis de visiter un peu la ville. La grande roue du parc d'attractions du Prater. L'Opéra de Vienne. Le casino. Les ministères. Les différentes ailes du grand château impérial, avec en particulier les serres. La porte monumentale du jardin des héros devant le château. Les grands musées de la place Marie-Thérèse, etc. Vienne, Prague, Brno, Bratislava ont actuellement beaucoup de vieux quartiers en cours de rénovation, ce qui leur donne parfois un aspect un peu poussiéreux de chantier. Puis, le soir, puisqu'il n'y a que deux trains par jour, un convoi de quelques wagons nous a permis de franchir la cinquantaine de kilomètres qui nous séparait encore de Bratislava. Et nous avons attendu près de 2 heures à la frontière, le temps de vérifier nos passeports et visas, le contenu de nos bagages et de démonter et fouiller les wagons. Voici donc deux vues un peu floues de la ligne frontière. Enfin, la gare de Bratislava. Notre première surprise fut le grand nombre d'hommes en uniforme vert. En fait, seuls quelques-uns sont des policiers. Les autres ne sont que des jeunes faisant leur service, qui dure 2 ans, ou 1 an plus des périodes pendant les études supérieures, soit des militaires, car ils ont une école de formation à Bratislava, et on peut donc les voir faire les courses avec leurs femmes ou promener leurs enfants. Voici la cité universitaire où nous logions à Prague, et maintenant celle de Mlada Garda, à Bratislava, où nous habitions, à 1 quart d'heure du centre-ville en tramway. La remise des diplômes d'ingénieur est une grande cérémonie, faire part, fleurs, doyen de l'école en grand habit, etc. Ici, sur les marches de l'internat, les nouveaux diplômés ont inscrit leur nom. Là, c'est la faculté d'électrotechnique de l'école polytechnique slovaque à Bratislava. J'y ai effectué mon stage. J'étais plus particulièrement dans cette petite construction intérieure qui était le laboratoire des ferrites. Voici, vu depuis ma chambre, les dernières collines des petites Carpates, au pied desquelles se trouve Bratislava. Au sommet, il y a la tour moderne de la télévision, dépassant des arbres de la forêt. Un bar tournant, situé dans les étages de la tour, permet de contempler les vallonnements boisés. Et en bas, Bratislava et le cours du Danube, avec au loin, d'un côté la Hongrie et de l'autre l'Autriche. Descendant sur l'autre versant de la montagne, un télésiège permet de rejoindre une zone de loisirs créée autour de petits lacs naturels. Bratislava a été de tout temps une place importante. Un piton rocheux surblombe le confluent du Danube et de la Morava, un peu en amont. C'est là que se dressent les ruines du château de Devin, au bord de la frontière autrichienne. Et à Bratislava même, se dresse sur un autre monticule rocheux, le grand château carré que l'on voit maintenant, et qui est un musée de la préhistoire. À l'époque, c'était aussi un carrefour de routes commerciales, grâce à un passage à gué sur le fleuve. Après des tribus celtiques, ce fut des légions romaines, car les limites de l'Empire suivaient le Rhin et le Danube. Les Romains importèrent d'ailleurs la vigne, qui occupe encore aujourd'hui les pentes de la montagne vers Ratcha. Ici, vous voyez la cathédrale Saint-Martin au pied du château. Enfin, ce fut l'installation définitive des Slaves, et Bratislava était un point de défense de la Grande Moravie. Lorsque les Bavarois furent battus par les Hongrois, et que la Slovaquie devient un territoire hongrois, la population slave resta tout de même sur place, et au Moyen Âge, Bratislava fut une des villes prospères du royaume de Hongrie, avec, en plus des maisons sur les pentes du château, une seconde cité entourée de remparts au bord du gué. La ville avait 6000 habitants, de nombreux privilèges et même une université. Ici, c'est la tour Michael dans la vieille ville. Mais la ville subit les dommages des guerres entre Tchèques, Autrichiens et Hongrois. Quand en 1500 la Hongrie fut envahie par les Turcs, Bratislava devint capitale royale de la Hongrie, car elle ne fut pas prise. Ici, c'est le musée d'horlogerie, au pied du château. Cependant, la ville devait ravitailler les armées de l'Empire austro-hongrois, et ensuite, elle accueillit beaucoup de réfugiés, en particulier des protestants. Au XVIIIe siècle,
Budapest retrouva son rôle de capitale hongroise, mais Bratislava eut un développement important. Au milieu du 19e, les différentes langues slovaques furent réunies en une seule par le grammairien et homme politique Stur, dont on voit le monument ici. Puis ce fut la naissance des usines, du capitalisme et des mouvements ouvriers. Après la Première Guerre mondiale, Bratislava devint le centre de la province de Slovaquie de la République démocratique tchécoslovaque. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fasciste slovaque siégeait à Bratislava. Ici, c'est le mouvement au soulèvement slovaque d'août 1944. La ville fut libérée par les armées russes et tchécoslovaques. Ici, c'est le monument aux morts russes, sur la colline de Slavine, à Bratislava. Pour pouvoir continuer à se développer, maintenant qu'elle est capitale fédérale, Bratislava a annexé les villages environnants et de grandes cités d'habitation sont construites. Il y a aussi une importante industrie chimique et le terminal d'un gazoduc soviétique. Là, c'est le pont construit par les Russes au lendemain de la guerre. Il assure encore le passage des trains et des voitures, mais bientôt ces dernières emprunteront le pont que l'on voit en construction, un peu en aval du port fluvial. Et voilà l'autre rive du Danube, bordée par un parc. Là, ce sont les bâtiments des expositions, et plus haut sur la colline, les installations modernes du gouvernement. Voici la silhouette traditionnelle de Bratislava d'aujourd'hui. Le pont suspendu métallique, monopilier, avec un bar circulaire au sommet du pilier, auquel on peut accéder par un ascenseur rapide. Un bac pour les piétons permet également une traversée plus romantique, de même que des bateaux-promenades peuvent vous faire découvrir la ville depuis son fleuve. Ce fleuve qui permet une grande circulation de péniches et remorqueurs, comme on en voit un ici, remontant depuis la mer Noire. D'autre part, des bateaux rapides hydroglisseurs, comme celui-ci, assurent le transport de passagers entre Budapest, Bratislava et Vienne. Ainsi par exemple, celui-ci, qui vient de prendre son vol, atteindra Vienne en moins d'une heure. Revenons un peu dans la vieille ville. Ici, le vieil hôtel de ville, musée viticole, et dans la cour duquel ont lieu des spectacles pendant l'été, de même qu'au sommet du beffroi, les musiciens jouent chaque soir. Derrière, c'est le palais primatial, musée de mobilier classique, comme on va le voir, mais qui sert aussi d'hôtel de ville pour les cérémonies officielles. Lors des naissances, enterrements et surtout mariages, la cérémonie civile à la mairie est très solennelle, avec famille, amis et musique pour entrecouper les différentes déclarations du maire. Pendant leur scolarité, les étudiants ont une bourse. Il leur est recommandé de travailler un mois d'été dans les brigades d'été où ils sont payés pour des travaux d'usine, d'agriculture ou de maçonnerie. Quand ils entrent dans la vie active, ils sont au début moins payés qu'un ouvrier du même âge ayant commencé plus tôt à travailler. En Tchécoslovaquie, le salaire des enseignants est faible. Voici le vieux bâtiment rénové de la Galerie nationale slovaque. Et là, le Théâtre national slovaque, malheureusement fermé pendant l'été. Ici, c'est le grand et luxueux, mais vieil hôtel Carlton. Et là, le nouveau palais de justice. Ici, une rue du centre-ville, avec une banque. Et là, sur les pentes des collines de Slavine, en face du château, ce sont les villas des hommes politiques et artistes slovaques riches. Une patinoire. Les futures halles, la maison des syndicats, grand ensemble de salles de réunion tout neuf, le futur immeuble aux lignes audacieuses de la télévision slovaque. En Tchécoslovaquie, les femmes se maquillent un peu, mais s'épilent très rarement les jambes, ce qui surprend parfois. On récompense les bons travailleurs en affichant leurs portraits, comme l'on voit sur cette photo, dans les parcs ou sur les places municipales. En Tchécoslovaquie, les vitrines des magasins alimentaires sont souvent très simplifiées, comme on peut le voir sur ces photos. Simple dessin peint sur la vitre ou pyramide de boîtes de conserve identiques. Celles des autres magasins sont plus modernes.
Ici, c'est une boucherie. L'hygiène y est assez rudimentaire. Tous les magasins sont d'État, donc les prix sont identiques dans un grand magasin ou une petite boutique. Ici, c'est le grand magasin Prieur à Bratislava. Dans les magasins d'alimentation, il est difficile de trouver des fruits et légumes frais, car les productions nationales sont plutôt dirigées sur les conserveries et les collectivités. Certaines personnes possèdent un jardin potager et fruitier. Elles peuvent en vendre les produits au marché. Et bien sûr, ce n'est jamais en grande quantité. Voici donc différentes photos d'un marché de Bratislava, avec des prunes, des concombres, des paprikas, etc. Ici, ce sont des dindes. Les produits sont un peu plus chers que dans les magasins, mais les produits sont frais. Là, c'est la marchande de cornichons. Vous pouvez donc choisir entre lécher une glace ou grignoter un cornichon. Par contre, ces femmes qui vendent leurs fleurs dans la rue sont en situation irrégulière. Là, c'était un camion rempli de pastèques qui venait d'arriver sur une place de Brno. Les acheteurs formaient une immense queue, car les arrivages étaient rares. À la campagne, les exploitations agricoles sont soit des fermes d'État, soit des coopératives. Nous allons maintenant à Nitra, une petite ville à 80 km à l'ouest de Bratislava. La population de 100 000 habitants compte beaucoup de jeunes couples et d'étudiants, car il y a la faculté de pédagogie, dont on voit le bâtiment ancien ici, et la faculté d'agriculture, que l'on va voir maintenant. À Nitra, il y a deux petites collines entre lesquelles coule une petite rivière. Sur l'une des collines, que l'on distingue un peu ici, c'est un lieu de pèlerinage. Sur l'autre, il y a le château de Nitra, que l'on découvre en maintenant. On y trouve en particulier trois églises imbriquées, successivement romanes, gothiques et baroques. En Tchécoslovaquie, il y a quatre modes de logement. Les logements d'État, loués, mais actuellement dans les villes en expansion, ils sont rares et il faut certaines fois plusieurs années pour en avoir un d'attribué. Les logements en coopérative, il faut débourser une somme au départ, mais payer aussi des redevances mensuelles. Les logements en copropriété, mais qui sont très chers. De plus, on a un impôt à payer quand la surface pour le nombre d'occupants est trop grande. Enfin, il y a les maisons individuelles, que l'on doit construire soi-même, solution tolérée et même encouragée par des primes en période de crise du logement. Nitra est située au pied d'un contrefort des Carpates, le mont Zobor, dont on va voir différentes vues et que l'on peut atteindre en télésiège. Au sommet, on peut voir les restes d'une ancienne colonne de l'Empire austro-hongrois. Dans la pente de la montagne, il y a beaucoup de maisons individuelles et de jardins particuliers, comme par exemple sous le passage du télésiège que l'on voit ici. Chaque année, se déroule à Nitra, à la fin de l'été, un important salon d'agriculture qui s'appelle l'agrocomplexe, dont on voit ici le devant du parc d'exposition. Notre visite à Nitra terminée, nous allons maintenant nous diriger vers une des nombreuses villes thermales de Slovaquie, Piešťany. Piešťany est une ville d'eau située à une cinquantaine de kilomètres de Bratislava, située sur la rivière Va, qui descend des Carpates. On y soigne en particulier les rhumatismes, avec l'eau de sources chaudes sulfureuses et la boue de la rivière. Voici donc le symbole de la ville. Cette ville thermale était déjà connue sous les Romains. De grands personnages y ont séjourné, en particulier Napoléon. Et aujourd'hui, beaucoup d'étrangers y viennent. Le centre thermal est en fait entièrement situé sur une grande île, entourée par deux bras de la rivière. On y trouve des vieux hôtels et installations de cure. Ici, par exemple, on distingue deux femmes voilées d'un riche arabe en traitement à Piešťany. Mais il y a aussi des constructions et centres d'accueil modernes. De nombreux artistes et sculpteurs se sont réunis pour vivre et travailler dans un petit village non loin de là. Et ils exposent leurs œuvres plastiques dans les différents parcs de promenade de Piešťany, comme par exemple sur cette photo. Voici maintenant quelques vues des rues de la petite ville même de Piešťany, et en particulier d'une fontaine en forme de fleurs, comme on en construit beaucoup en ce moment en Slovaquie. Une promenade en bateau permet de remonter la rivière jusqu'à un lac qui a été aménagé en amont pour les sports nautiques et la voile. Après un dernier adieu à la gare de Piešťany, nous allons partir maintenant pour les Hautes Tatras,
le plus haut massif des Carpates, et qui sont un peu les Alpes des Tchécoslovaques, avec bien sûr moins d'altitude. Nous y avons passé une semaine, avec un ingénieur de Bratislava et un groupe d'étudiants est-allemands. C'est d'ailleurs avec eux aussi que nous avons passé la semaine suivante à Prague. En train, nous avons donc remonté la rivière Va et ses nombreux barrages, surplombés par beaucoup de châteaux ou de ruines, la vallée étroite se faufilant ainsi entre les différents massifs des petites Carpates, des Fatras et des Tatras. Nous logions dans la petite ville de Kejmarok, ville historique placée sous la protection des Scythes. Voici l'hôtel de ville et son beffroi. En Tchécoslovaquie, les volets sont remplacés par une seconde fenêtre, souvent le plus souvent sur l'extérieur. Voici donc une maison typique des Tatras, avec toit en bois et un petit auvent sur le pignon. À Kejmarok, les maisons sont reliées entre elles par de curieuses arcades et ont souvent des façades décorées. Voici l'église catholique de la Sainte-Croix, avec sa grande tour, et sur le devant son clocher carré Renaissance, plus petit. Et là, à côté de l'église luthérienne plus récente, la vieille église articulaire, c'est-à-dire faite selon les règles de la loi. Elle est entièrement en bois. Maintenant, c'est le château de Kejmarok, dont la rénovation vient d'être terminée, et dont on voit la cour intérieure sur la vue qui suit. En Tchécoslovaquie, et en particulier dans cette région des Carpates, vivent de nombreux Tziganes. Ils ne travaillent pas, volent, habitent dans des masures, touchant les allocations de leurs nombreux enfants. On en voit sur la droite de cette photo. Les Tchécoslovaques ne les aiment pas. Par contre ici, c'est une vieille Slovaque traditionnelle, avec ses multiples épaisseurs de jupes noires et ses foulards, corsages et tabliers colorés. Dans les Tatras, on peut faire de l'alpinisme, des excursions en montagne et l'hiver beaucoup de ski. Le massif est un parc national où la nature est protégée. Un petit chemin de fer permet de rejoindre les différentes stations très touristiques qui entourent le pied du massif. Ici, c'est la gare de Tatranská Lomnica, toute fleurie. Les deux sommets principaux des Tatras sont le Gerlach, point culminant de Tchécoslovaquie, et le Lomnický Stift. Tous deux culminent aux environs de 2650 mètres d'altitude. Depuis Tatranská, un téléphérique et un télésiège montent jusqu'à Skalnaté Plezo. On les voit ici à leur arrivée. On peut d'ailleurs atteindre cette station à pied par un bon sentier dans les rochers. À cet endroit se trouve un petit lac et un observatoire. Depuis cette station intermédiaire, un second tronçon de téléphérique permet par beau temps d'atteindre le sommet du Lomnický. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pendant que nous y étions, et plusieurs randonnées se sont terminées sous la pluie. Ici, au-dessus du lac de Štrbské Plezo, ce sont les tremplins de saut à ski. Là, c'est une cascade dans la Studená Dolina. Dans la forêt, à Popradské Plezo, il y a un cimetière d'alpinistes avec de belles croix de bois peintes en couleurs vives. Sur la gauche, c'était l'ingénieur qui nous accompagnait avec son fils. Dans les Tatras, il y a de nombreuses grottes. Voici en particulier l'entrée de la Belanská Jaskina que nous avons visitée. En Tchécoslovaquie, toutes les entreprises sont nationalisées. Tous les employés sont payés par l'État et l'économie est planifiée par période de 5 ans. Les plans sont discutés suivant les capacités des entreprises et les besoins nationaux. Une fois établie, si une entreprise ne réussit pas à obtenir ce qui a été prévu pour elle, ses employés ne sont payés qu'à 80%. Au contraire, si elle produit plus, les salaires sont majorés. Pour vaincre les lourdeurs bureaucratiques de la vie quotidienne, les Tchécoslovaques doivent avoir de nombreuses relations, ou bien être au parti, ce qui permet en plus la promotion sociale. L'entrée dans le parti est difficile. Il ne vaut mieux pas avoir des parents intellectuels, ce qui pose certains problèmes aux étudiants, car ça leur permettrait pourtant de trouver un emploi intéressant. Même après la période d'essai d'entrée dans le parti, il faut encore faire de nombreux exercices de politique, être actif en organisant des réunions pour les autres ouvriers, mais aussi donner au parti un pourcentage de son salaire. Les hauts membres du parti ont d'autres privilèges, hôpitaux spéciaux, magasins avec produits occidentaux libres, etc. Sur ces entrefaits, nous voici de nouveau à Bratislava, où avait lieu cette année le Grand Prix, avec des cavaliers suisses, autrichiens, ouest-allemands, est-allemands, polonais, hongrois, russes et tchécoslovaques.
En Tchécoslovaquie, on boit du lait, du thé, de l'eau minérale, du soda, du tonique, de la limonade, du jus d'orange, du Pepsi-Cola fabriqué sous licence, de la bière, particulièrement en Bohême, du vin blanc de Moravie et Slovaquie, et même de la vodka, et puis d'autres boissons que vous pouvez lire là. Pour terminer, je vous présente Jana, une étudiante slovaque, avec qui j'ai visité Bratislava, Štupava, Piešťany, Nitra, etc., et qui m'a expliqué le fonctionnement de son pays. Ahoy !